parti. Hop. Je suis dans le van. Ouais, là on est sur l'autoroute. Et on est parti depuis Brisbane. Petit road trip. Lundi, on part à Manhattan. J'ai rien à y faire, mais j'ai choisi ce point sur la carte. Et ouais, c'est juste pour narguer les jaloux. Bon, attends, je vais monter devant et m'attacher un peu là parce que. J'attache. La sécurité, parce qu'on n'est pas tous assurés. On est parti de Brisbane. Aujourd'hui, on va direction Melbourne dans 5 jours. Voilà, on est à Gold Coast. Première connerie, qu'est-ce qu'on fait? Pipi. On va chez le coiffeur. Et c'est quoi la coupe qu'on fait? Bah, l'australienne, quoi, tu connais. Let's go faire un mulet. Parce que sinon, on vit pas l'expérience à fond. C'est pas drôle. C'est t'y part. On part dans un mois et demi, faut attends, bien, lèche, faut bien tester avant. C'est peut-être du premier coiffeur, puis dans un autre coiffeur. Le gars il revient de sa pause avec un KFC, il mange ça devant nous et il nous met de la musique tunisienne. Il nous a mis de la trompette là, du piano, ça casse les couilles. Et il, toujours pas, il nous prend, hein, il nous a fait un mal. Ça fait une demi-heure, on attend. Mais... Je sais pas où il est passé encore en plus, mais c'est un road. Bon, on vient de sortir du barbeur, l'objectif mulet il a pas été accompli à 100%. Mais il y a un début de truc, je suis passé en premier du coup, j'ai pas réussi à expliquer vraiment. Et Pêche il a un peu plus expliqué, c'est un peu mieux. Je lui ai dit tu me touches pas les cheveux de derrière, mate. Mais c'est pas non plus ça, fait dégage. Bref, on comprend l'idée, hein. C'est le principal. Ah oui, je sais pas si on a dit, on a loué un van de base, mais c'est un Strumon finalement. Regardez la taille du truc encore, putain. Bref, du coup, c'est pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, je sais pas. Mais du coup, l'intérieur est énorme. Alors que clairement, franchement, un tout petit van nous aurait bien suffi. Du coup, on se balade avec un gros camtar là, mais bon. Ça va être des barres, ça va être des barres. Bon, l'objectif, c'est de trouver une place de parking qui fait 10 mètres sur 10 mètres pour garer le camion. Et après, on passe la soirée ici, on va se trouver un petit endroit sympa, quoi. Voilà, il est 16h, on a tout le time, toute la soirée pour trouver. Donc c'est incroyable. Ah mais ouais, ça se trouve, elle est froide. Shower time. Alors? Ça va? Ça va pas. Ça va pas? Douche prise, comme des clochards sur la plage. Ah ouais, t'es pas trop fat, ça va, tranquille. Ouais, ça va. Ah, on est mieux là. Ça a aucun sens. Vraiment, le mec se pose au bord de la route. La chaise, elle est incroyable. Vraiment, on est à la Gold Coast, quoi. Il va se prendre un camtar là-dessus. Moi, c'est un bateau voiture, le truc. Regardez ma bête d'installation ce soir. Mon lit, il est incroyable. Là, il y a le poste conducteur et regardez ça. Et lui, il va dormir là comme un gros chien à la niche. Allez. Bah, c'est l'inverse, mais bon. Qu'il vienne pas cette nuit. Là, en vrai, on est posé devant la plage. Donc, donc on va se prendre une amende si on dort ici. Mais je pense vu qu'on va rentrer tard, en fait la technique c'est on va laisser les rideaux ouverts pendant qu'on n'est pas là en mode bah non il y a personne dedans, personne ne dort. Et comme on va rentrer tard, les flics seront couchés. Merde. Qui fait ça putain? Ta gueule. C'est trop une galère, y'a pas de miroir nulle part. On n'est pas avec des mecs qui ont des miroirs. Chacun sa technique hein. La mienne est mieux, non? Elle a l'air pas mal, ouais. Le lendemain, il est 9h du mat, pas fait réveiller par la police en pleine nuit, donc normalement, bon, je rigole, normalement j'en sais rien. J'espère on n'a pas d'amende, ça repart pour la route, on a 7h30 aujourd'hui de route normalement, on pourrait rejoindre un pote. 2 hours later. Bon, il y a un petit problème,
On a dû mettre l'essence et c'est lui Evans. Et comme un con, je me suis trompé. J'ai mis du diesel à la place de l'essence. Voilà. En vrai, je me suis rendu compte, j'avais mis 10 litres. Voilà. Mais bon, je crois que c'est trop tard. Du coup, on sait pas trop quoi faire. On va aller dans un garage, je pense. Bon, du coup, vu que je me suis trompé que de 13 litres, ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté ça à la meuf de la station essence. Elle nous a passé un ciseau, il y avait un tuyau dans le camping-car. Et en gros, on va siphonner le réservoir, le maximum qu'on peut. Et après, on va mettre de l'essence et on va prier. Voilà. Ça ne marche pas du tout. Bon, finalement, vidanger, c'est une galère de fou. Enfin, siphonner en tout cas. Du coup, ça fait une heure qu'on est bloqué là. Et ouais, ça a été un échec le siphonage. En gros, ils disent que c'est pas si grave si ça dépasse pas 10% de ton réservoir, en gros. Si tu mets le plein après, ça dépasse pas 10%, c'est pas très grave. Nous, ça fait 20%. Ouais. Si on fait un calcul, le compte n'est pas bon là. Du coup, on n'ose pas le faire. Bon, là, si j'allume le moteur, notre sort il est scellé. On a plus qu'à croiser les doigts, on a mis le plein. Et toutes les stations essence, on va refaire le plein du peu qu'on a dépensé. Pour essayer de diluer au max le plus possible et pas trop mélanger. Ce qu'on nous a dit de faire, on n'a pas le choix. Bon, on vient d'arriver enfin, après 8 heures de. Après toutes ces galères là. Ça a mis tellement de temps, putain, avec le réservoir où il fallait le remplir toutes les 2 heures. Parce que en gros, on faut pas trop descendre pour pas aller jusqu'au diesel, bouge pas, là, enfin bref. Du coup, il fallait faire des détours parce qu'il y a très peu de stations-service sur la route, enfin bref. 23 heures, chaos. On est garé comme des merdes sur une place de parking dans une rue. On se prend une amende tous les soirs, ça se trouve. Faut qu'on trouve Alan, le frérot. Tu bois de l'eau. C'est un peu bas par contre. Je vais voir un truc utile. On a un bidon. Ah mais attends, mais t'as mis des trucs dedans? Non, normalement c'est vide. C'est vide, c'est bon. Ça m'explique. Hein. Donc on a acheté ça pour rien parce qu'on voulait siphonner le... le mec qui reprend sa conversation. On voulait siphonner... On voulait siphonner notre propre réservoir. Notre propre réservoir. On a mis du diesel dedans, merde, c'est pas ça. Mais attends, mais on a coupé un tuyau quand même. Il y avait un tuyau dans le coffre. Oh, ça peut servir, ça rentrait pile comme il fallait. On a coupé. Et ça a pas marché. Je suis en podcast ou quoi? Franchement, tuto siphonnage, si vous avez, donnez-nous, hein, parce que on est naze. Hein. Et on a acheté ça pour mettre le diesel dedans. Mais bon, on a acheté ça pour rien. Parce que sinon, la meuf. En vrai, c'est. La meuf du garage, elle voulait pas nous donner le ciseau pour couper le tuyau. En vrai, c'est une bonne gourde. Pour l'année prochaine, hein. Road trip. Bon. Début du lendemain. Regardez notre spot de ouf. Une rue, une résidence pavillonnaire. Bref, il est 10h du mat, on s'est réveillé. Hier c'était bien marrant, enfin bien marrant. C'était un peu bizarre, on se demandait pourquoi on était là, mais en vrai on a bien rigolé quand même. Let's go, direction Sydney. Arrête de me fumer. On est arrivé à Sydney. Putain, bon, on est pas à Sydney, on est à genre Bondy, mais truc bizarre. Bondy, on est. Bondy, on est là. On est. Là c'est un cimetière juste derrière là. Ah ouais, on respecte quand même. On fera pas de bruit. Est-ce que c'est le bordel? Ça va. C'est bien, hein. C'est sombre, on boit pas. Ouais, non, c'est très rangé. Ah merde, ça s'est mis. Dans les toilettes publiques. La vie de roi. Arrête. Tu m'embêtes là. Oh, mais tu peux te regarder dans le retour. Ah, vas-y. On fait toutes les techniques possibles. Ah, c'est moins bien quand même. Non, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça me regarde, là. C'est moi de me raser tranquillement. Mais t'as... Allez, on arrête ça. Ouais, c'est l'état après
combien de temps là? 3, 2 jours, 4 jours? J'ai perdu le compte sur les jours de... On a dormi combien de nuits ici? 3? Tu parles de quoi frérot? Je sais pas pourquoi tu filmes. Pourquoi je filme? Non, j'ai l'impression que je suis... J'ai l'impression que je suis tout le temps dans la même position ici quand je filme. Ouais. C'est le spot. On est parti de Sydney ce matin. Voilà. On s'est couché à plus de 7h du mat. Donc voilà. Pas besoin d'explication. Et sinon, on doit être à Melbourne ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un taf et qu'on commence demain à 6h30 du mat. Il n'y a rien qui va. Du coup, il y avait 10 heures de route aujourd'hui. Il nous en reste encore 5, je pense. Il est 18h. Bref, trop la flemme. Ouais. On sait pas ce que ça va donner. On doit acheter des bottes en plus. Ah oui, c'est vrai. Et quoi d'autre? Faudra ramener le van après à l'essai. Putain, on taffe jusqu'à 2h et on doit ramener le van avant 3h à Melbourne. Oh la flemme. Roulons avant la nuit et de percuter des kangourous. T'imagines? Ah, mais ça qu'en plus là, on a aucune protection. Oh non. Kangourou passe à travers. Le van, il est au passager là, il est entre nous deux. Là, je te jure, il finit comme ça, il se réveille, bah les gars. Vous me déposez où? En 2003, j'ai oublié pas les temps. J'ai cherché un 9 mini, mais j'ai visé la quête pour assouvir ma vendetta. Ce sont des OG qui pètent le tombé, qui contrôlent le quartier, la ville. Explique ton problème. Ça a aucun sens. Je teste la taille numéro 9, c'est un peu trop gros. Je vais tester 8, c'est trop grand, mais pareil. Et je teste du coup 7, c'est la même chose, mais on voit bien que c'est beaucoup plus petit. Donc soit j'ai mon pied qui rapetissit à chaque fois que je mets la chaussure, ce qui est pas possible normalement, soit je deviens fou et on me prend. Okay. Là, il est 2h du mat. Il est cool le son, ouais. Et on commence demain à 6h30. On vient d'arriver à Melbourne. Là, je crois que je suis fatigué là. Vraiment. Là, je suis dead aussi, putain. J'ai un stade de fatigue. Les Kmart ouvert à 24h sur 24, c'est vraiment une belle invention. Ça c'est... Il y a une batterie nulle part. Je veux mettre une alarme, je mets un chrono là. J'ai mis 6h30. Là il est 3h30, on vient d'arriver de se poser. On est pile à l'endroit où on commence demain. Genre à 20 mètres. C'est dans 3h30. Putain. Fin du road trip. De 5 jours, ça a été n'importe quoi. Pendant 5 jours. On a très peu dormi, fait beaucoup de route. Et on rend le van demain. Mais on a conduit combien de temps aujourd'hui? On est parti à 10h du mat de Sydney. Il est 3h30. Il y a un problème dans l'équation. Ça prend trop de temps, il faut mettre de l'essence tout le temps. En fait. Ah oui, c'est vrai. Quand c'est quelqu'un, on doit mettre des chances toutes les 2 heures. Putain, t'as de la chance à ton passeport à côté de toi. Tu dors à côté, bâtard. Je sais. Moi, il est dans une forêt, je sais pas où. Tout seul, il dort. Il avance dans le froid. Putain. Bon. Fin du game. On a fait 2 Kmart à 2h du mat, putain. Ah ouais, putain. Pour acheter des chaussures. Oh mais rien, je peux montrer le bordel. Ah oh, le van il ressemble à rien. T'as des chaussettes dans l'évier. Je savais même pas qu'on avait un évier. C'est pas une blague. Il y a plus d'électricité dans le van parce qu'on l'a pas rechargé, on a fait que brancher des trucs tout le long. Ça se trouve il démarre même plus demain, la batterie elle est morte. Mais on s'en fout, c'est pas lié je pense. Si. Non. En tout cas, le frigo, il marche plus. Rien ne marche. Quoi? Rien ne marche. C'est vrai. Bon, vas-y. Bonne nuit. Dormons. Bonne sieste. Putain, ouais, à tout de suite. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.